Coucou tout le monde, comme vous avez pu le voir en titre, allez, quand nous on se retrouve à nouveau sur Wolang, autre set, autre bonus ensemble, on est sur l'armure de Guo le religieux, avec en bonus ensemble le stratège de génie, qui rappelle entre parenthèses une armure qu'on avait dans Nioh. Avec en première pièce, on va regarder ça, ça défile. Une accumulation d'altération sur les ennemis, plus 3,8%. Donc ça veut dire que si tu enchantes par exemple ton arme pour mettre un effet, enfin, mettre un malus de foudre par exemple sur le mob, et bah tu vas l'augmenter plus vite, hein, ce malus. Deux pièces, tu as une baisse de puissance en cas de frappe mortelle. Donc ça, c'est quand tu es dans le dos d'un mob, ou même d'un boss que tu retrouverais sur une mission lambda, parce que tu as des boss que tu affrontes et tu les retrouves plus tard en tant que mob. Quand tu arrives avec discrétion dans leur dos, tu as un point rouge qui s'affiche. Tu les plantes, et bah c'est une frappe mortelle. 3 pièces. Durée de malus sur les ennemis, plus 3,4%. C'est assez intéressant. Sachant que tu peux le rajouter sur toutes tes pièces d'armure, etc. Ça peut être vraiment pas mal au cumul. Et en 4, tu retrouves une amplification de dégâts en cas de frappe mortelle. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que si tu lui fais une frappe mortelle, tu actives le deuxième effet, donc une baisse de puissance pour lui. Quatrième effet, il prendra davantage de dégâts quand tu vas le frapper. Donc ça, c'est plutôt cool. Et cinquième effet, donc dégâts aux ennemis avec malus, plus 10,6%. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, il faudrait choper donc une pièce dans ta partie NG+, avec réduction de conditions de bonus ensemble qui fera compter une pièce pour deux. Bon, ce qui n'est pas vraiment logique, je trouve, dans Wolong, et ça, les développeurs sont un peu cons quand même, ils auraient pu se rendre compte, parce que première pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces, j'en porte cinq. Donc, je comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas accès au cinquième effet. Dans Nioh, ton premier effet, il est en deux pièces, puis ensuite en trois pièces, etc. Donc tu comprends pourquoi il fallait jouer la réduction de conditions de bonus ensemble. Mais ici, pourquoi je devrais y avoir accès? C'est une pièce, c'est indiqué. Deux pièces, trois pièces, quatre pièces. Enfin, c'est indiqué quoi. Bah bref, ouais, c'est mal indiqué en fait. Ça aurait dû être marqué 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est tout. Bon, enfin bon. Ça m'agace un peu. Alors, le set en lui-même, le bonus ensemble est plutôt quand même sympa. J'aime bien ces bonus, ça m'aurait presque tenté d'essayer. Il y a un truc qui me rebute, évidemment, c'est l'armure. L'armure en elle-même, pas son apparence, mais son poids. On est sur la catégorie léger. Et du coup, forcément, tu vas prendre cher. Surtout NG+, où le grade de difficulté sur certains boss est hallucinant, surtout quand ils font leur critique et qu'ils sont capables de one shot, alors que tu as 50 et plus en vertu de bois avec beaucoup de PV, une armure lourde, etc. Donc imagine sur du léger. Attention, je dis pas que c'est pas possible de jouer en léger, hein, qu'on soit d'accord. Viens pas rectifier ça en commentaire, c'est pas ce que je dis. Le mec qui s'en sert bien sur les parades et compagnie, il s'en sortira très bien. Mais bon, tu prends une pichenette, tu rates un contre, hein, bah t'es foutu quoi. Allez. Au niveau de son arme, on retrouve la canne du hibou de la nuit avec vrai d'oiseau de nuit en compétence éthérée dessus, qui, je le rappelle, permet, donc quand c'est en éthéré, de faire davantage de dégâts sur la jauge d'esprit du mob ou des boss, ce qui est plutôt bien pour les faire tomber plus vite et leur faire un max de dégâts, et permet de ne pas vaciller sur certains coups que les mobs vont te sortir quand tu vas lancer cette attaque. Ensuite, tu retrouves en deuxième compétence la sagesse du singe. Bon, ça, on va aller voir vite fait tout ce que ça donne. La première. Donc, c'est une arme que tu peux effectivement envoyer. Je l'avais testé hier. Il te fait bien fait. Oh, c'est sympa. Ça a la gueule. Malheureusement, ça fait pas assez de dégâts. La deuxième compétence. Elle tourne avec ses pieds. Ça fait penser au manga GTO, tu sais, quand tu s'amuses. Non, c'est pas GTO, c'était dans quoi ça? Enfer et paradis. Ouais. Une attaque, enfin une technique qu'il utilise. Ouais, on va aller voir ça.
Celle-là est plus sympa. Hein. Ça touche quand même déjà plus. Alors évidemment, ici on est sur un set qui n'a pas le dégât d'esprit sur chacune des pièces. Donc je le rappelle, je te conseille, si tu veux les faire tomber très vite, d'utiliser le dégât d'esprit qui à l'heure actuelle est quand même pas mal du tout. Franchement, ouais. Si je compare à du dégât infligé qui est plutôt variable et qui marque sur pas mal de choses, le dégât d'esprit est vraiment top pour leur craquer littéralement leur jauge d'esprit quoi. Et les faire tomber régulièrement. Et rapidement. Après tout dépend des compétences comme tu peux le voir. Hein. Celle-ci est censée être monstrueuse. De par le fait qu'elle en est tirée. Pour descendre plus vite leur jauge d'esprit, mais bon, elle touche pas assez pour ça. Si tu l'envoies, enfin. C'est pas assez. La deuxième qui n'est pas en orange, tu vois, fait bien plus de dégâts, puisqu'elle touche beaucoup plus. Bon après, ça, à vous d'essayer. Hein. Pour avoir le set, voilà, rendez-vous ici, onglet, renfort. Quand tu auras atteint les missions adéquates pour débloquer ce personnage, qui est quelque part. Là, faut que je le retrouve, je sais plus où il est. T'es passé où? Le voilà, autant pour moi. Si c'est lui? Ouais, si c'est lui. Donc pour débloquer ce personnage, tu avanceras dans tes missions. Du coup, une fois qu'il t'aura rejoint en pleine bataille, tu pourras aller combattre les mobs et donc monter sa jauge, qui te permettra donc, une fois monté au niveau 10, de débloquer tout son stuff. D'aller dans l'onglet livraison pour l'avoir, ouais, ni plus ni moins. Il y en a beaucoup qui me posent souvent la question d'ailleurs, c'est là-dedans que tu l'as. Tu peux, je le rappelle aussi, utiliser des tasses de cordialité. Pour les utiliser, pareil, tu vas dans l'onglet renfort, tu vas sur le mob concerné et tu vas tout en bas au milieu de l'écran marqué triangle, utiliser une tasse de cordialité. Donc quand on a et quand sa jauge n'est pas en frère d'armes, quand elle n'est pas au maxi, évidemment. Et tu pourras de par ce fait monter beaucoup plus vite effectivement sa jauge à fond. Enfin voilà, du coup on a fait le tour pour ce set et moi je vous dis à plus. Ciao!